Allez, barrez-vous. Barrez-vous, foutez le camp d'ici. Vous êtes vraiment Luc Soubeillon? Allez, t'as rien à faire chez moi, tire ça. Je suis venu vous parler de Victor Grosch. Il y a eu un crime avant-hier soir et tout laisse à penser que c'est un rapport avec Grosch. Et Grosch, c'était votre affaire. Grosch est mort, tire-toi. Oui, je sais, mais regardez. Ah, t'as pas l'affaire, toi, hein. T'es mignonne, hein? T'es mignonne, un peu trop pour un flic. Qu'est-ce que tu caches? Je suis pas là pour parler de moi. Pas de parfum, pas de maquillage, une queue de cheval. Tu t'habilles comme un mec pour te faire accepter tes collègues, c'est ça? Indépendante? T'aimes pas qu'on te dise ce que tu dois faire, hein, c'est ça? Je... Pue le café. Tu dois les enchaîner les uns après les autres, hein, pour tenir le coup. Pour montrer à tes chefs que t'as la gnaque, que t'en veux, hein, c'est ça. T'as des choses à cacher, toi. T'as des choses à prouver aussi. Ah, je vois. Je parie que t'es du genre célibataire, un peu baise partout, tu vois. Ouais, avec un chien. Ouais, je te vois bien avec un chien, un bon gros toutou, là. Est-ce que t'as peur? Hein, t'as peur? C'est quoi ton trauma, toi? Hein, les coups de ceinturon? Les foyers d'accueil, une mère dans la bibine, c'est ça? Arrêtez! Ah, la mère, c'est ça. Il y a un truc avec la mère. Pauvre con, va te faire foutre! C'est ça. Tire-toi!